Choisis la vie. L'antipathie. Dans les émotions sociales, nous allons conclure par l'antipathie. Sous ce terme, la psychologie rassemble toutes les émotions négatives, sans hostilité ouverte, allant du dédain jusqu'au dégoût. Et saint Thomas d'Aquin parlerait de l'aversion, sentiment contraire du désir. Le désir me meut vers un bien non encore possédé, mais qui m'attire en raison de sa convenance, alors que l'aversion, au contraire, me fait repousser et éviter ce qui m'apparaît comme un mal ou qui menace mon bien. Le mot « aversion », ça veut dire « se détourner de », et le terme « antipathie » suggère l'idée d'un mouvement qui n'est pas connu dans la haine, tout comme le désir suggère un élan vers l'objet aimé qui n'implique pas l'amour. On peut dire que le dynamisme implicite de l'amour s'extériorise dans le désir, comme celui de la haine se manifeste dans l'aversion. Alors ce matin, confions notre antipathie à Jésus, car il nous aime. Confions toutes ces émotions négatives qui nous habitent, du dédain jusqu'au dégoût, et demandons-lui la grâce de la sympathie.